touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Yo yo yo, what's up les boys, Monsieur Chef de la Manette. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve sur Trial of Osiris. Donc voilà, on a eu la malchance de tomber sur des cheaters, voilà. Donc moi je trouve ces gens-là dégueulasses, parce que c'est des mecs qui de une montrent qu'ils n'ont pas de skill, qui peuvent pas aller au phare sans cheater. Et de plus, c'est des mecs qui gâchent un peu la communauté, parce que généralement c'est des Français. Là dans la vidéo, je vous montre comme quoi c'est des Français. Donc je vais vous mettre les profils de ces personnes en screen. Là à partir de maintenant tout au long de la vidéo et je veux franchement les gars signaler les si vous tombez dessus bah franchement c'est sûr qu'ils font cette technique les mecs c'est je trouve ça dégueulasse ils ont besoin de ça pour gagner les mecs ils ont aucun talent vous voyez ils sont pourris donc bien sûr ils ont niqué un pass bon c'est pas grave on le refera c'est pas un souci mais bon ça fait quand même un peu chier de tomber sur des mecs comme ça vous voyez la partie est complètement buggée on n'a pas de munitions lourdes. Moi, vous verrez qu'à un moment, pendant le gameplay, je meurs d'un coup, je sais pas comment, le mec me tue au verdict rendu. Donc franchement, moi, je trouve ces mecs-là dégueulasses, voilà, je vais pas me répéter. Je vais sûrement envoyer cette vidéo à la Zombie Factory, on les a signalés, franchement, essayez de faire tourner au maximum leur idée, que maximum de personnes les signalent, parce que ils ont même pas la place dans la communauté Destiny, vous voyez. La communauté Destiny est peut-être l'une des communautés, moi qui joue à ancien joueur Call of, je trouve que c'est l'une des meilleures communautés niveau jeux vidéo, c'est pas une communauté de merde. Et franchement, ces gens-là les gâchent. Ils gâchent vraiment la communauté, généralement c'est des Français, donc ils font honte un peu. Donc franchement les gars, n'hésitez surtout pas à signaler ces joueurs de merde. Faites tourner au maximum. Moi, comme je vous dis, je vais essayer de faire en sorte que pas mal de chaînes communautaires aient ce clip pour essayer de toucher le maximum de monde. Voilà, donc c'était Tixilove. Malheureusement, pas pour une vidéo, pour un beau gameplay, mais bon, malheureusement, on est tombé sur Twitter. Voilà, donc j'espère que ça vous arrivera pas, que vous arrivez à faire votre phare. Sur ce, tchou, ses amis, c'était Monsieur Tixilove.